qu'il était tellement, performant qu'en Gaspésie, il disait, c'est les bateaux de Tilly qui ont vidé la mer. On essayait de les améliorer un petit peu à chaque bateau, mais on n'avait pas grand-chose à faire parce que la conception qui avait été faite par notre architecte naval, qui était Jean-Pierre Charest, était très, très bien faite. On était limité par les permis du gouvernement. Les permis du gouvernement, c'était 39 pieds 11, 45 pieds 11, et 54 pieds 11. Ça ici, c'est une photo du port de Rivière-aux-Morts où on avait une trentaine de bateaux. On avait une vingtaine de bateaux là. De 60 pieds en bois, puis vous avez à côté ici le bateau de fil de verre. En fait, le secret de l'AMT, c'était l'équipe. On avait une équipe extraordinaire, tant au niveau des travailleurs que au niveau des concepteurs. Les gens de la place. En fait, le gros de notre personnel venait de Saint-Antoine et de Saint-Apollinaire, ou d'ailleurs dans le côté de Lupinière. La majeure partie, c'était les gens de Saint-Antoine. Je pense aux frères Côté, je pense à Régent Bédard qui a fait les moules. Les moules étaient d'une qualité exceptionnelle. C'était Régent Bédard. Après ça, tu avais Richard Lafleur, les frères Côté, comme je l'ai dit tantôt, et le personnel de bureau aussi. Et quand on a commencé à grossir, évidemment, ça prenait, quand on a fait les 55 pieds, ça prenait beaucoup de capital qui était trop fort pour nos moyens. Ça fait qu'on a vendu 25%, j'ai vendu 25% de mes actions à Laurent Baudouin, qui à ce moment-là était président de Bombardier. Et à ce moment-là, ça nous a donné la crédibilité au niveau des banques pour pouvoir faire ce qu'on a fait. En haut de 100 millions de chiffre d'affaires, sur une période de 10 ans.